Bonjour, salut tout le monde et bienvenue tout le monde. Bienvenue sur la chaîne ça qui c'est remède naturel. Comment nous y est mon moyo? Je vais la faire en maïs, en maïs moulin avec trois pinceaux, poils un peu blanche, mais ma faire en moyen pour capable bien une belle couleur. En plus ma faire lisse sans magie pour capable bien goût. Trois étant comme tu dis cuit là, puis on met coco et met coco et là pour coco et à bouillir pour cuire. Et du coup, je vais mettre un petit sel. Un petit sel. Et puis ça que je vais faire, je vais laver. Je vais laver le piment, ça, mettre le bouillon là-dedans. Après ça, pour me tourner, pour me faire maïs, je vais couvrir pour le bouillon, pour le cuire. Pourquoi est capable bien cuit là. Ok, nous capable boire de l'eau là, de l'eau n'est pas trop une belle couleur, c'est à cause de poids. Et bien ça que je vais le faire tout le moyen là pour maïs à capable de faire belle couleur. Ok. Pour y a, je vais mettre un chou là. Je vais mettre l'huile pour me capable frire puis là. Bon. On y a bras le fruit et pis. Pour maïs, 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 pour bien pour bien pour à ça que ma fait, je vais mettre un petit peu de souris pour me capable tout fondre blanc pour me capable bien brasser pour me fondre pour dans la pour y a ça que ma fait, je vais mettre un petit peu de paprika qui c'est poudre poudre poivron rouge là c'est un poivron rouge que lié. Et puis après ça, je vais mettre un petit turmeric. Oh, pas de problème. Pas de problème, non? Je vais échapper, non, mais moi, quand il fait ça tomber, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème, non? Pour ça, c'est un poudre que vous êtes capable. Mettez dans l'air pour boire. Et puis, on va vider de l'eau. On va ajouter un petit beurre. Je vais mettre le beurre. Mettons un bon petit beurre là-dedans. Et puis je vais racheter un petit lait pour mettre. Je vais mettre un petit lait. Je vais mettre un petit poivre là-dedans. En fil, un petit poivre,
On met un petit poivron frit là-dedans. Mets un petit poivron. On va goûter celle-là. Il manque un petit sel, tout petit par un pied. Il va manquer un peu de sel. On a ça que je vais faire, je vais prendre ma yon pour que je me lave et puis après ça pour me capable mettre. On y a moi à mettre ma yon. Ça sent si ma yon va faire bien dessus. On va friter ça là, oui, et puis après ça pour montrer nous. On a moyen de battre maïs. Hein? Maïs a son maïs pour le manger avec ragoût. Moi, je mange maïs avec ragoût pour maïs un peu. Je ne pas tant pour l'année. Si que c'est maï, si c'est maï, donc gros grain là. L'eau ça tape trop petit. Mais si maï fait ça, là qu'il a besoin pour maï ou pour lui un petit. On va mettre un peu de l'eau. Oh, gardons job. Un gros sport m'a fait là. Allez, c'est ma fait là. Maïa continue à brasser et puis c'est comme ça Maïa tout il va venir bien coller, il va la coller. Quand il y a ça que je vais faire là, je vais couvrir pour 10 à 15 minutes. Quand il y a moins d'étouffer Maïa et puis je vais faire un petit brasser là pour nous voir comment qu'elle est bien collée. Comment qu'elle est bien lâchée. C'est dans la colle. Va-t-il la colle? Donc, on a eu ça là. Aïe, aïe, aïe. Là, elle est bien cuite. Et puis, gratin, tu as une façon de gratter maillot qu'on a été. Il est difficile pour gratter. Ça, elle est bien bagay comme ça. On va le mettre dans l'assiette. Ok, moi je finis de retirer ma yam, mettre dans l'assiette. Ce que nous avons regardé là, c'est avec un petit ragoût que moi j'ai fait ma ça. Et ma yam bon, ma yam bien collé
En plus, sauce là encore, son sauce qui a bat moun. Bon bagay net. Eh bien, merci parce que nous regardons la vidéo mieux. Merci pour le support nous. Et nous prenons notre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine.